Ceci guérit très vite les reins, le foie et le pancréas. Il est excellent pour les diabétiques et même les hypertendus. Mes amours, si vous aimez les sujets liés au bien-être, à la santé maison, comme dans cette vidéo, abonnez-vous sur ma chaîne. Pensez à appuyer sur la clochette de notification pour toujours recevoir toutes nos nouvelles vidéos. Pour ceux qui sont adeptes des remèdes et des plantes naturelles, vous savez qu'ils sont sans effets secondaires, sans conséquences sur vous sur le long terme. Contrairement à la médecine moderne qui a parfois de sérieux effets secondaires, quelquefois irréversibles, les enquêtes elles-mêmes ont confirmé que les remèdes et les produits naturels sont beaucoup mieux et ne nuisent pas à notre santé. C'est donc l'occasion ici pour moi de partager un remède assez puissant, naturel et qui, jour après jour, devient très populaire. Un remède capable de traiter les maladies liées au foie, au rein, au pancréas, entre autres. La bonne nouvelle, c'est qu'il est très facile à préparer et non, vous ne dépenserez rien pour l'avoir. Si vous voulez tout savoir sur ce remède, restez jusqu'à la fin de la vidéo et je vais vous montrer une bonne façon simple, facile et rapide de préparer cela, de l'élaborer. Nous aurons besoin seulement de deux ingrédients. Les ingrédients que vous avez sûrement déjà chez vous en ce moment. Je parle du coriandre et du persil. Dites-moi dans les commentaires sous quel nom est-ce que vous appelez ces deux ingrédients dans votre pays. Bien qu'ils soient très connu, très peu de gens savent comment s'en servir, très peu de gens connaissent leurs avantages. Sachez que vous pouvez les prendre frais ou secs, mais je vous conseille de les prendre frais. Le coriandre frais contribue à améliorer la santé des organes, comme par exemple les reins, le foie et même le pancréas. Il est très puissant et riche en propriétés médicinales. C'est un excellent diurétique et est utilisé pour guérir presque tous les problèmes des reins, y compris les calculs rénaux. Vous aide à perdre du poids. Les feuilles de cette plante contiennent une substance qui s'appelle limonène, agit comme une hormone naturelle et empêche l'accumulation des graisses dans la région abdominale. Vous pouvez aussi utiliser ceci lors du petit déjeuner. C'est une excellente option pour qui veut avoir moins faim. C'est un très bon coupe-faim. Ceci génère une rapide sensation de satiété qui évite l'exagération et les débordements en matière alimentaire. Stimule les fonctions hépatiques, diminue le taux de cholestérol, facilite grandement la digestion. Le coriandre frais est un laxatif, traite naturellement les problèmes ennuyeux comme la constipation et ses feuilles déshydratées peuvent être utilisées pour combattre les crises de vomissement et même de diarrhée. Peuvent être utilisées en médecine naturelle. Avant de continuer, je vous recommande de partager cette information avec vos contacts, vos amis sur les réseaux sociaux, les blogs et les pages dédiées à la santé naturelle. De cette façon, beaucoup plus de personnes seront touchées. Si vous souffrez d'aphte, parce que ceci a des propriétés antimicrobiennes et antiseptiques, réduit la glycémie et renforce le système immunitaire. Parce que c'est une excellente source de vitamine C et d'autres nutriments importants comme l'acide folique, la vitamine A, la bêta-carotène, ceci va éliminer la conjonctivite, améliore la vision et surtout prévient les maladies oculaires. On en a déjà parlé dans une précédente vidéo, je pense que vous en souvenez. Ceci rajeunit la peau. En ayant une certaine quantité de nutriments comme la vitamine C, c'est un excellent récepteur de collagène, d'éléments nutritifs. Il est responsable du raffermissement de votre peau, permettant de lutter efficacement contre la flaccidité. Ceci combat aussi les radicaux libres et a une haute teneur en antioxydants. Ces feuilles permettent d'éliminer les radicaux libres, lutte contre la fatigue corporelle générale dans le corps, diminue l'insomnie et possède des propriétés relaxantes et même apaisantes. Cette plante peut avoir des effets importants pour aider à contrôler les nerfs, réduit le sentiment de stress et d'anxiété. D'autre part, le persil a de nombreux avantages similaires à ceux du coriandre. Je n'oublie pas le persil, mes amours, je vous en ai parlé plus haut. Donc, je vais mentionner d'autres bienfaits que possède également le persil. J'en avais déjà aussi parlé dans d'autres vidéos. Pour ceux qui me suivent, si jamais vous avez loupé quelque chose, n'hésitez pas à retourner sur ma page et taper « avantages du persil », vous verrez tout ça. Ceci contribue à équilibrer le système cardiovasculaire. Ceci soulage la toux, élimine la mauvaise haleine, renforce vos os entre autres et bien plus encore. Maintenant que nous avons présenté ces deux ingrédients séparément, laissez-moi vous parler de ces deux ingrédients combinés. Je vais vous présenter en même temps une recette hors du commun. Ingrédients, une demi-tasse de coriandre haché, pas trop non plus. Hachez même les branches, hein, les feuilles, les tiges là, c'est très très bien. Ne jetez pas s'il vous plaît. Une demi-tasse de persil haché de la même manière. 300 ml d'eau.
Mode de préparation. Placez le coriandre et le persil dans une casserole avec votre eau. Portez le tout à ébullition pendant 10 minutes. Ceci va éliminer la chlorophylle. Ne laissez pas ceci bouillir avec le couvercle, s'il vous plaît. Une fois que c'est bon, éteignez le feu et laissez le mélange refroidir. Prenez un verre par jour. Cela suffit à éliminer les toxines, à purifier le corps, surtout à vous débarrasser de toute pathologie citée plus haut. Mes amours, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette recette. Vous savez combien vos avis sont très très importants pour moi. Ça m'aide à améliorer mon travail. Pensez à me dire depuis quel pays est-ce que vous regardez ces vidéos. Pensez à me soutenir, à soutenir mes contenus en vous abonnant, en partageant. Pensez aussi à liker et à commenter. Prenez soin de vous d'ici là et sachez que je vous porte dans mon cœur. Bisous bisous.